Salut les amis. Alors, je teste une configuration. Bonjour à tous d'ailleurs et joyeux Noël. Je teste une configuration très légère de mon setup de stream. Retour il y a longtemps quand je faisais des streams en course à pied. Je voulais voir si tout fonctionnait. D'abord si vous m'entendez et vous me voyez correctement. D'ailleurs je vais basculer hop comme ça. Peut-être que c'est mieux. C'est mieux pour vous. Tac. Ah mais je vois plus le chat. Ah ça c'est mieux. Ah, bougez pas. Ah c'est dommage. Je vois plus le chat quand je fais ça. Ok. Ah, merci Christ pour le 23e mois d'abonnement. Donc manifestement vous me voyez, vous m'entendez alors. Est-ce que le son ou l'image semble ok pour vous? Ce serait formidable, c'est d'avoir le chat aussi. Alors, comment... Voilà. Ah, mais si, j'ai le chat, là. Mais si. Mais j'ai le chat à l'écran. Mais c'est... vous m'entendez? C'est formidable. Écoutez, ça faisait très longtemps que j'avais pas streamé en courant. Très longtemps. On est à la campagne. Enfin, on est au début de la campagne, hein. Au bord de l'eau. Voilà, et en fait, je savais pas si cette config très minimale iPhone et bras stabilisateur, hop, bras stabilisateur, s'il vous plaît, attention, fonctionnait toujours ou pas. Ça, ouais. On entend bien le vent aussi. Ah ouais, c'est l'iPhone. Vous allez bien? Ah, cool. Ok, top. Bon, alors je vous emmène courir. Les bonnes résolutions, c'est au début de l'année. Moi, j'en ai pris à la fin de l'année. Parce que comme vous le savez, ces 12 derniers mois, j'ai beaucoup arrêté le sport à cause du travail, et un heureux travail, notamment mon investissement sur Twitch. Et pour la première fois de ma courte vie, parce que je suis encore un jeune homme, sinon un enfant, eh bien, j'ai arrêté pendant 12 mois en fait, quasiment le sport. J'ai pris un peu de bedou, ma respiration s'est vue raccourcie, alors que le sport a été un pilier très important quand même de ma vie pendant très longtemps, pendant 20-25 ans, quoi. Et j'avais du mal à me remotiver, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs que j'aime faire aussi en dehors du sport, passer du temps avec ma famille, faire des trucs sur Twitch, découvrir cet univers fascinant du jeu vidéo, faire des parties de Valorant au beau milieu d'après-midi, au beau milieu de la nuit. Et donc, je cherche des objets de motivation. Voilà. Donc, j'ai une petite surprise qui arrive début 2024. Un nouveau rendez-vous que je vais lancer sur ma chaîne Twitch autour de la course à pied, autour du marathon et peut-être du marathon de Paris, vous savez, pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques. Donc il faut que je m'y remette, j'ai pas le choix, puisque en gros l'idée c'est de revenir à mon niveau de marathon. Je vais faire mon sac, bougez pas, et je vous emmène courir dans la campagne. C'est cool, je peux vous lire, c'est génial. Je vous montre un petit peu l'équipement. Alors vous moquez pas, le buff c'est le meilleur truc qui soit pour protéger du froid, du soleil et tout. Bon, c'est un truc que les trailers connaissent bien. Là j'ai mis deux couches, j'ai un t-shirt long, manche longue et puis un sweat assez chaud. Voilà. Un short. Parce que les vrais. Parce que les vrais sont en short. Quelle que soit la température. Ah, et puis des petites chaussures. Voilà. Sachant que je pars d'un niveau quasiment zéro. C'est comme si je reprenais la course à pied, puisque. Arrêter pendant un an, c'est quasiment avoir jamais fait de course à pied. Quasiment. Hop, bougez pas, faut que je ferme mon petit sac. Gros plan sur le nez, toujours sympa. Ok, c'est cool. Fais bien tes lacets, c'est fait. Bon, c'est cool. Ok, top, on est parti. Si, le short. Il y a eu des tentatives de reprise. C'est parti. Il y a eu des tentatives de reprise. Dernière semaine, bon, timide, et en fait c'est pas anodin bien sûr d'arrêter la course et le sport pendant toute une année, donc voilà, on essaye de finir l'année et de commencer l'année qui arrive sur les bases d'une bonne reprise du sport. Voilà. Est-ce qu'il va garder le bras tendu ou il a un harnais? Il va garder le bras tendu. J'ai voulu faire simple. Et à un moment, quand je m'amusais justement avec cette idée de streamer de la course à pied et du sport, j'avais inventé co-inventé avec mon épouse qui a eu l'idée
Ah, ça va plus le bot, c'est pas grave. Inventé la poussette de stream. Donc une poussette de running sur laquelle j'avais installé une petite caméra, sur laquelle j'avais installé un petit peu de son. Et puis ça donnait une grande stabilité. Et puis comme ça, j'avais pas à tenir le bras stabilisateur. Voilà. Là, on est au bord du Doubs. On est en Franche-Comté, à Besançon. Là, on est une usine désaffectée, là. Qui est assez jolie, d'ailleurs. Tiens, je vous fais un peu de tourisme. Et donc, je vais tenir le bras stabilisateur comme ça. Là, on est à Bezac, exactement, comme dit le cas dans le chat, qui doit être habitué. Donc là, vous avez une usine désaffectée. Il y a un message dessus. Le message, c'est « Fais l'amour, pas les murs ». C'est pas beau, ça? Regardez. Fais l'amour, pas les murs. Les murs, c'est beau, non? Ah. Donc là, on est en Franche-Comté. Je crois qu'on court au bord du Doubs. Alors, c'est vraiment là, c'est une région que moi je connaissais pas avant mon mariage, puisque mon amoureuse est de Franche-Comté, de Besançon. Donc c'est une région que je connaissais pas du tout avant, et qui est magnifique, qui est très verte, qui est très belle. Les gens sont très sympas, on mange très très bien. C'est très très vert, voilà. Et c'est un magnifique endroit pour courir. Voilà. Donc là, Besançon, c'est parti. Est-ce que j'arrive à vous lire quand je cours? Ouais, ça va, j'arrive à vous lire. Là, je vais vous mettre plutôt la vue aquatique. Ah, c'est cool, je peux vous lire. Là, vous allez entendre progressivement le bruit de l'eau, parce qu'on arrive près d'une petite retenue qui fait un peu de bruit. Bon, alors, je vous cache pas que l'idée de ce petit footing du matin, c'est aussi mériter le dîner de ce soir. Hein? Est-ce que Hélène a l'accent de Franche-Comté? Très bonne question dans le chat. Hélène n'a pas l'accent de Franche-Comté. Il y a un petit accent ici qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Qui est encore plus fort quand on va dans le Jura. Mais qui est moins fort aussi. Il y a du vent. Voilà. Donc l'idée de ce soir, c'est aussi de mériter le. Regardez comme c'est beau. Le dîner de ce soir. Parce que c'est bien Noël, hein. La famille, tout ça, c'est bien, mais les repas de Noël, Nouvel An, c'est une catastrophe. Donc l'idée, c'est aussi de mériter les agapes de ce soir. Voilà. Tu aurais dû... Ah, il y a trop de messages, j'arrive pas à lire. Cours au lieu de marcher. Eh, dis donc, c'est que... C'est pour vous lire. Ce qui est bien, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quelle vitesse je cours là. Remarquez ça. Vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que ça court tout doucement. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que je crois que le stream et la caméra ne donnent pas la notion de vitesse. Et tant mieux, parce que ça court tout doucement. Hein. Ça court comme un papy. Hein. Non, je suis pas à Rennes, je suis dans la région de Besançon, je suis dans le Doubs, je suis en Franche-Comté. C'est drôle. J'avais oublié que ça marchait aussi bien ce truc en fait. Pas facile de courir en filmant. Là. Heureusement que vous n'avez pas vu ce monsieur dépasser parce que. Ah, mais il est en fractionné, coquin! Vous seriez rendu compte à quel point je courais doucement. Mais en fait, il fractionnait. Je suis en train de le rattraper. Non, pas du tout. En fait, il est en train de réaccélérer. Je suis pas du tout en train de le rattraper. Bonjour.
il faut un bon cardio pour Valorant, exactement. Bien sûr, pour Valorant, il faut un bon cardio. Je vais profiter un peu du paysage. Ah, comme ça, c'est bien. Ah, c'est bien comme ça. Je cadre en même temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je cadre. Je cadre. Du sang-froid surtout, oui. Oui, Valorant, il faut du sang-froid. Et de la... Souvent, je cherche ce mot-là, comment c'est ? De la... Je cherche... Souvent, je panique. Et donc, je manque de... À Valorant, quel mot que je cherche ? Merci pour le soutien. Pardon, j'arrive pas à lire les pseudos qui sub. Merci pour le sub. Je cherche de la... Non, pas dextérité. Pas ma... Oui, une maîtrise, mais en mode calme. D'ici... Sérénité, voilà. Bravo. Je cherche la sérénité. Valorant, c'est ce qui manque. Sérénité. Et de la précision. Et de l'habileté aussi. Tout ça. Tiens. On fait une course avec un compagnon à quatre pattes. Et de l'expérience aussi. Et aussi de la tactique. Et aussi de la stratégie. Enfin, il manque tout, quoi. Mais je m'amuse bien. Alors, les commentaires d'ailleurs de sur les réseaux sociaux, sur mes parties de Valorant où je fais rire tout le monde, il y a des gars super forts qui disent c'est marrant, il est vraiment nul, et ça nous rappelle nos débuts. Mais je crois qu'on s'amuse jamais autant qu'à ce moment-là, quoi. Et il est plus heureux que nous. Voilà, j'ai adoré ce commentaire. Il est nul. Il s'amuse plus que nous. Hein ? J'adore ça. Évidemment, le principe de ce stream, c'est que je vois que vous êtes 1200 là. Le principe de ce stream, c'est que pour le regarder, il faut courir. Hein ? C'est-à-dire que les 1200 là qui me regardent, c'est-à-dire grosso modo 2400 jambes, grosso modo. Parfois, la nature assez. C'est mystère. Vous courez. Prends les chaussures. C'est le sport le plus simple du monde. Hein. Où vous soyez, en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer, dans une salle, sur un tapis. Donc là, vous courez. Donc évidemment, je veux dans mes DM, sur les réseaux, dans les prochaines minutes, 1200 photos de coureurs et de coureuses. Bien sûr. Il y a des excuses ou pas ? Je cours vers mon canapé. Oh, désolé, je vois des subs qui passent. J'ai pas le temps de vous remercier. Merci pour le soutien que je viens de voir passer à l'instant. Merci pour le sub. Je viens de me réveiller. Je suis malade. Et alors ? Non, je suis malade et le droit. Je vais courir à la salle. Est-ce que ça compte ? Oui, bien sûr que la salle, ça compte, bien sûr. Certains vont partir dans 30 minutes. Je vous lis. C'est beau, hein ? Je vous montre un peu le paysage. Est-ce que je peux inverser l'écran, d'ailleurs ? Est-ce que je peux inverser l'écran ? Pour vous montrer... Je pense que je vais faire des trucs. Ouais, on va faire ça. Waouh ! Hey ! Je vous mets en mode... Comment on dit, là ? Quand vous voyez ce que je vois, comment on appelle ce mode ? Il y a ça dans les jeux vidéo. POV. On dit POV, POV, first person. POV. C'est ça ? FPS. Non, FPS. Oui, FPS, c'est first person shooter, mais moi je le sais. Première perspective, première personne. Voilà. Donc là, on est, je vous le rappelle, on est dans la région de Besançon, où vit ma belle famille. C'est une belle famille et une belle région. Et là, on court au bord du Doubs. Je sais pas pourquoi je dis le Doubs, alors qu'en fait, c'est le Doubs. Et à chaque fois, je dis le Doubs. La citadelle, ouais, exactement. Et là, tout en haut, quelqu'un m'a fait remarquer, c'est Annette, vous avez la citadelle. La citadelle, c'est vraiment la citadelle ou c'est juste les remparts, je sais pas. Mais tout en haut de Besançon, vous avez une citadelle qui a un très beau bâtiment fortifié.
Je crois qu'il y a des animaux aussi, genre il y en a un petit zoo, je crois. Un petit zoo, pardon. Voilà. Et il y a plein de murs de fortification, c'est très très beau. Dark Moon est de Besançon aussi. Alors après, je suis pas. Hop, j'inverse de nouveau. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire et de la géographie de la Franche-Comté. J'avoue que j'ai pas vraiment bossé. J'y viens surtout pour passer du bon temps avec la famille d'Hélène et les amis d'Hélène. Et donc je n'ai pas super bossé l'histoire et la géo. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que tu vas nager après? Est-ce que je vais nager après? Bien sûr. Bien sûr, c'est prévu. Donc j'ai un petit trépied que je vais poser ici au bord de l'eau. Et je vais taper des 2-3 longueurs. Ah, pas beaucoup. Hein. Je sais pas. Une borne, deux bornes, trois bornes. À la fraîche. Hein. Sans combi. Hein. Sans combi. Juste avec le petit short quoi. C'est pas que j'ai fait du triathlon, mais c'était il y a longtemps. Ah, je suis content de vous retrouver parce que le problème des vacances de Noël, hop, je change de main. Le problème des vacances de Noël, c'est que parfois on bouge, on va se reposer un petit peu, les streams en prennent un coup. J'ai caressé, le début de la phrase est très bizarre, mais la suite est ok. J'ai caressé, je m'arrête exprès pour faire un moment très malaisant, très gênant. J'ai caressé l'idée, vous voyez, d'emmener un petit setup de gaming pour jouer la nuit, pour lancer des parties de Valorant, de Fall Guys, de The Witcher 3 surtout. J'ai du retard à Besançon. Et puis j'ai été raisonnable. Et je me suis dit non, ça veut non. Tu dois résister à l'appel du jeu. Ça devient addictif. C'est-à-dire que le soir en m'endormant, je rêve de Valorant quoi. Et donc pas de setup. Pas de setup. Mais mon téléphone. Je me suis dit que ça pourrait peut-être permettre de garder le contact. Alors là vous n'avez pas rendu compte mais ça montait. Alors je fais une pause. Pour vous lire. Pour vous lire bien sûr. Salut Game Edwin, merci ton message. Ouais, non, le soir, hier soir, je me suis endormi. Enfin, avant de m'endormir, j'ai regardé un film sur Netflix, la moitié de science-fiction, fantasy, c'était pas mal. Et après, avant de m'endormir, je me suis projeté dans Valorant. Et alors, je pensais aux stratégies, je pensais aux personnages. Récemment, j'ai découvert un nouveau personnage, la grenade et avec le bazooka, là, en mode pour son ulti. Alors, j'ai pensé personnages, j'ai pensé stratégie, j'ai pensé les différentes armes, travail sur la précision, les placements. Putain. Contaminé quoi. Accro quoi. Raze, ouais c'est ça le personnage. Ouais. C'est incroyable. Si on m'avait dit un jour que passer un demi-siècle, c'est mon âge, même si je fais 17-18 ans, je le sais. Merci de le dire dans le chat. À vous de jouer. Passer un demi-siècle en fait, je rentrerai dans le sommeil en imaginant des stratégies Valorant, j'aurais dit non. Impossible. Ah voilà. Certains me donnent un âge estimé par rapport à l'équilibre des traits, par rapport à la pulpe, de la peau, du visage, tout ça. 15, je vois 15 ans, je vois 16 ans, 17 ans, ouais. Oui, c'est vrai. On me le dit souvent. Souvent quand j'achète de l'alcool, ce qui m'arrive pas souvent. Alors j'ai arrêté le sport mais j'ai aussi arrêté de boire. On me demande ma carte d'identité. Ah oui, on me dit. Vous savez que les collégiens, on me dit souvent hein, dans le supermarché, vous savez que les collégiens ne sont pas. On court un peu là, putain. Ils ne sont pas autorisés à acheter de l'alcool. On me dit souvent ça.
dit souvent ça. Boulangerie. Très important. Ça, j'adore, regardez. Le monsieur là. Ah, il y a un petit garçon qui fait pareil. Bonjour. Ça, c'est des skieurs de fond. Hein. Quand il n'y a pas de neige, ils mettent les patins sur roulette et les bâtons là. Il n'y a qu'ici que je vois ça. On n'est pas très loin de la Suisse. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Comment ça s'appelle déjà? C'est assez. Vous connaissiez pas? Alors c'est moi, c'est ici que j'ai vu ça pour la première fois. Il y en a à Paris maintenant aussi. Ouais, mais c'est en fait, c'est des francs-comtois. C'est des gens d'ici hein, qui sont de passage à Paris. Le ski sans neige, je sais pas comment ça s'appelle. Là, je suis repassé par la route. Parce qu'il y avait des travaux en bas, on va retourner sur la berge. Je vois des vives Besançon dans le chat. On va repartir sur la berge. Je vous mets en mode. C'est vous qui regardez. Et hop là, c'est vous qui regardez. Voilà. On va redescendre sur la berge, vous voyez là. Hop. On était sur la route là. On est ici sur la route. Là, il y a la haute. Les hauteurs de Besançon là. On me dit roller skating. Des Marco Ding, c'est du roller skating. Et il y en a beaucoup en Norvège. Voilà. Et on descend sur la berge. Je crois que c'est le Doubs ici. Voilà. J'ai pris un petit boîtier 4G avec une puce sur un opérateur qui, à mon avis, passe mieux ici que l'opérateur que j'ai à Paris. Donc c'est hein, normalement on devrait avoir une bonne connexion. Quoi. C'est joli, hein. Besançon, pas de problème de crevaison si quelqu'un a la ref. Pourquoi? J'ai pas la ref. Besançon, crevaison. J'ai pas la ref. Je sais qu'on est pas très bien de Sochaux, Sochaux, PSA, Peugeot, tout ça. Mais Besançon, quoi, Michelin? Michelin, ça serait dans la région aussi? On a la question pour un champion là. Alors il y a plein de gens qui connaissent Besançon, c'est trop mignon. Oui, oui Michelin c'est Clermont-Ferrand, donc ça marche pas. Ouais, j'ai pas la ref. Le Doubs est très haut actuellement, c'est vrai. Regardez, le Doubs est très très haut là. Putain, vous êtes fort, hein, tout de suite. Hein. Clermont-Ferrand, Michelin. Ouais, c'est haut, c'est très haut. Ouais. C'est très haut. C'est beau, hein. Ah, ça change, hein. Ce qui est incroyable, c'est que... Là, je vais rester une semaine ici. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un petit stream ce matin pour faire coucou aux gens. Ce qui est drôle, c'est que je sais que dans un ou deux jours, je vais super bien respirer, je vais arrêter de tousser, la petite toux que j'ai en stream en ce moment. Parce que l'air n'est pas le même qu'à Paris, bien sûr. Hop. Je vous retrouve, hop, je vais pas. Et sitôt de retour à Paris, je vais retousser. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a plein un problème de qualité de l'air à Paris. Hein. Quelqu'un me dit si c'est bien monté, tu pourras peut-être plus. Tu pourras pas forcément aller beaucoup plus loin. Si ça devrait aller. Regardez comment c'est haut. L'eau est à ras là. Incroyable hein. Ça va finir en triathlon ça. C'est fou. Hein. Je vois que certains rentrent de footing. Pardon, mais en fait, je peux pas geler le chat et je peux pas remonter dans mon chat, donc j'ai du mal à lire vos pseudos, mais j'arrive à lire vos messages. Ça, c'est cool déjà. On est, pour ceux qui nous rejoignent, on est en Franche-Comté. On est à Besançon. On est sur les bords du Doubs. Merci, Mantou ou Mantono. J'espère que j'ai du mal à lire les pseudos. C'est écrit petit pour le sub à l'instant. Est-ce que j'ai déjà fait un Ironman me dit Hugo, je crois. Oui, alors. On va pas se la raconter. Hein. Un Ironman qui est le format XXL du triathlon. C'est un truc qui a l'air comme ça. En fait, c'est super accessible. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu le fais. Moi, je dis, souvent, n'importe quelle personne, en bonne santé, hein, sans gros problème physique, peut faire un marathon. C'est une question de volume, d'entraînement, de. Voilà, faut se dire, tiens, pendant
X mois, je vais faire un tel volume d'entraînement avec telle séance, telle alternance de séances de qualité. Bref, c'est pas la mer à boire. N'importe qui, en bonne santé. Bah, l'Ironman, c'est pareil. Si tu sais nager, si tu sais faire du vélo, si tu sais mettre un pied devant l'autre, eh ben tu peux faire un Ironman. Après, il faut faire le volume d'entraînement qui va avec, quoi. Ah, c'est là où ça pique. Hein, c'est là où ça pique. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire un Ironman, mais il faut, il faut qu'en face, il y ait le volume d'entraînement et de préparation, quoi. Alors moi, comme je venais de la course à pied, où j'ai fait beaucoup de marathons et un peu de trail, bon, bah, la course à pied, ça allait. Il me restait plus qu'à bosser la natation, quoi. Bon, je suis pas un très bon nageur, hein. Je suis pas puissant, je suis pas rapide, je suis pas très grand. Mais je sais nager. Je connais des gros coureurs qui étaient nuls en natation, qui ont fait des Ironman avec la partie natation. Combien ça fait déjà? Combien il fait la natation? 3,8 km. 3,8 km de natation en mer. J'ai connu des très bons coureurs qui ne savaient pas trop nager, qui ont fait la partie natation en brasse. En brasse. Ils sont pas beaucoup, hein. Mais voilà, l'important c'est de la terminer dans les temps. Et en vrai, ça va, quoi. Et après, une fois que sorti de l'eau, bah, c'est une autre histoire, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai un crawl qui est pas top, qui est pas puissant, qui est pas rapide, mais bon, je peux nager longtemps, quoi. Pas vite, pas fort, mais longtemps. Je pense que c'est le cardio de la course à pied qui m'avait un peu servi, quoi. Donc, je m'étais un peu entraîné pour pas forcément aller vite. Il est puissant, mais pouvoir nager longtemps, et je me suis retrouvé à faire des sessions de à la fin de 2 heures de crawl à l'entraînement pour me rassurer, sachant que j'avais calculé que j'allais sortir de l'eau à peu près en je sais plus combien d'heures, enfin en beaucoup moins, quoi. Enfin bref, et donc l'eau, on sort, après il y a le vélo. Moi, je suis nul en vélo. Le vélo, c'est pas du tout le même sport que la course à pied. Alors le cœur est toujours là, mais c'est pas les mêmes muscles. Il y a des très bons cyclistes qui sont nuls en course à pied, hein, sur... Et donc c'est pareil, il a fallu faire un peu de volume. On commence par 20 km, 30 km, 50 km. On fait son premier 100 km en vélo. Ce qui est pas beaucoup pour un vrai cycliste, mais qui était beaucoup pour moi. Et on se rassure en faisant les 180 à l'entraînement. Moi, comme je suis un peu maniaque, j'étais allé à Nice où j'ai fait mon premier Ironman. Reconnaître le parcours avec une bande de cyclistes, de copains très sympas. Et donc j'avais fait les 180 km 2-3 mois avant. Et ça m'avait rassuré parce que comme je l'avais terminé, pas très vite, mais je l'avais terminé, en gros je savais que je pouvais sortir de l'eau, je savais que je pouvais faire les 180 km de vélo. Et après il restait le marathon, mais le marathon, comme j'en ai fait quelques-uns, bah voilà. Donc encore une fois, Ironman, accessible à n'importe qui, à condition de faire le volume d'entraînement qui va avec, quoi. En l'occurrence, à la fin, j'étais à 13 heures semaine, quoi, à peu près. Et j'avais du temps, parce que je travaillais pas trop. Je travaillais pas beaucoup à l'époque. Moins. Et j'avais ce temps, en fait. J'avais pas les enfants, j'avais pas Twitch. Donc j'avais du temps et c'était cool, quoi. Aujourd'hui, je serais incapable de retrouver les 13 heures par semaine, en fait. Je vous montre où on est, c'est beau, hein. Les 13 heures par semaine d'entraînement, je serais incapable de le trouver, quoi. Donc j'ai fait 3 Ironman, j'ai fait Nice 2 fois, Barcelone 1 fois, où j'ai fait mon record. C'est pas très impressionnant, hein. Je suis pas très rapide dans 12h30. Voilà, j'ai dû faire 13h30 le premier, 13h10, enfin je sais plus, 12h30 mon record. Voilà. Donc mais l'important, évidemment, c'est pas de faire un record du monde, ni même de battre les autres. Hein, quand vous faites du sport à mon niveau, un sport très amateur, il ne s'agit pas de battre, de faire des temps de fou, de battre les autres, c'est surtout de se battre soi et de se prouver qu'on est capable de faire un truc dont on se dit que c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Par exemple, quand j'avais commencé mon entraînement à Ironman, donc une copine adorable m'avait fait rencontrer un entraîneur de vélo. Alors moi, je suis pas trop entraîneur, moi je préfère faire mon truc dans mon coin, dans ma sauce. Pas forcément faire les choses bien, mais
les sports d'endurance, c'est aussi un moment pour soi, où on est tout seul, à l'entraînement en tout cas, et on se retrouve, on a du temps pour réfléchir, pour faire le point. C'est une forme de méditation. Hein. Et donc, même si j'aime courir avec des copains de temps en temps, c'est un moment quand même assez solitaire. Donc je suis pas trop entraîneur, tout ça. J'avais quand même rencontré un entraîneur de vélo, parce que c'est un peu énorme. Et donc j'ai rencontré un autre cycliste. Donc j'avais juste eu l'occasion d'un copain qui était un cycliste semi-pro, donc c'était un super vélo carbone, vitesse électrique, automatique. Pas déraillé, c'est super. Et donc on s'était rencontré, on avait fait 2-3 tours et donc il avait vu que j'étais une catastrophe en vélo. Et il me dit mais attends, c'est quoi l'objectif? Bah, je lui dis bah c'est de faire un Ironman, donc il faut que je fasse les 180 km de vélo. Il lui dit en combien de temps? Bah, dans 6 mois. Et là il m'a regardé, il m'a dit je suis désolé mais c'est impossible. Il m'a dit c'est impossible, tu pars de trop loin. C'est un peu comme quand Moment me voit jouer à Fall Guys. Il me dit t'es nul. Il me dit tu parles trop loin, t'es vraiment. Tu vas pas là, c'est pas possible quoi. Moment il dit t'es une merde, je crois. T'es une merde. Alors effectivement, c'est pas le vent, c'est moi qui cours trop vite. Et le simple fait qu'il me dise, cet entraîneur de vélo très sympa d'ailleurs, hein, il pensait pas mal, que c'était pas possible. Ah, je me suis dit ok, cool. Là c'est cool. Là ça devient intéressant. Et là il y a un challenge. Le gars c'est un pro du vélo, il te dit que dans 6 mois tu peux pas faire 180 km sur un Iron en vélo. Tu te dis ok cool, moi je vais le faire. N'importe qui peut le faire en fait. Faut juste faire l'entraînement qui va avec. Bah ça motive un peu quoi. Voilà, on y repart, on retourne. On retourne courir. Vous aussi vous courez? C'est vous? Salut Alexandra, merci d'être avec nous. Tu streams avec quoi? Avec mes jambes. Non, je stream avec mon iPhone en fait. Et un bras stabilisateur en fait. Je sais pas si je fais ça, je sais pas si vous pouvez le voir. La base de mon bras. Non. J'ai un bras stabilisateur, vous savez. Qui court vers le café. Bonne bras stabilisateur. On peut pris la tête. Hein, c'est... Ouais. Technologiquement, c'est tout simple. Pas de poussette de stream. Stabilisateur avec. Le bras en fait. Ah, quelqu'un. Ouais, c'est génial. Quelqu'un qui connaît la région m'a dit tout à l'heure le Doubs. Oh, la rivière là. C'est une rivière, c'est un fleuve. Bonne question. Rivière ou fleuve? Sam, tu vas pas pouvoir aller où tu voudrais. Ça va. Et bingo. Regardez. Il y a de l'eau, on peut aller plus loin. Viens le Doubs. Il y a des vieux qui me poussent. Waouh! Oh là là! Wouhou! Waouh! Je pense que vous m'entendez plus. Un vent de fou! J'ai failli. Le vent, c'est littéralement dans l'eau. Là. Ça finit par. En triathlon. Un homme. J'arrive à riner, imaginez. La scène. Je me suis approché en fait. Hein. J'aurais été pro jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'aurais. Et le bras c'est au-dessus de ma tête, tout en nageant, bien sûr, tout en nageant. Ça va être. Alors il y a eu un petit fait. En fait. Ah c'est dommage. Attends, je pense du pont vous allez capter de. Hop, je vous montre un hier, c'est plus joli. Oh, quelqu'un vous laissez trop vite. J'ai quelque chose pour Twitch en lien avec les. Je veux pas danser. Mobilisé sur les Jeux Olympiques. Voilà. Ça pourrait avoir un lien avec ça, pourrait y avoir un autre truc sur donc à l'équipe qui se mettre dans la revue de presse le type revient et il y a de fortes chances que les revues de presse voilà. Ça va,
connexion. Puisqu'il n'y a plus de pont, je vais vous lire un peu tranquillement pour normalement où là. Ah, you're back. On va parler en même temps. Oh, hein. En fait, les débuts en course à pied il y a 25 ans. Mon copain Franck était un copain déjà à l'époque. C'était un des princes qui courait. En fait, la bonne vitesse à l'entraînement. C'est quand tu peux parler à ton copain qui est à côté. Entraînement d'endurance pure, hein, en cardio, pas forcément la vitesse, muscle, plutôt la bicorps à des efforts. Et en fait, c'est simple, tu peux discuter en parlant avec ton copain. Le Twitch, hein, est pas juste très bien, c'est que tu es à la bonne vitesse. Là, on a une bonne vitesse d'endurance. Un petit F5. Est-ce que vous êtes de retour? Vous êtes de retour? Alors, excusez-moi, je suis tombé à l'eau. Je n'ai pas fait attention. Je courais en vous lisant. Et je suis tombé dans le Doubs. Voilà. Le temps de me battre contre deux ou trois crocodiles. Parce qu'il y a énormément de crocodiles ici. Voilà, et voilà, j'ai relancé le stream. Non, en vrai, je suis allé vérifier la connexion pour vérifier que j'étais bien sur la connexion de mon petit boîtier 4G dans mon dos. Et en fait, ça a coupé le stream. Ok. Très bonne blague. Tant que tu n'es pas tombé dans le dur. Hein, parce que là, je suis tombé dans le doux. Dur, doux. Ah, mieux. Allez, reparti. Je vous fais visiter. Let's go. Allez, vous. Venez vous aérer avec moi. Venez respirer le grand air, franc-comtois et bisontin. C'est vraiment beau. Ouais, c'est cool en vrai. Bon, c'est un peu gris grisouille d'hiver, quoi. Mais en vrai, c'est cool, quoi. Bon, ça va, vous, sinon? Parlez-moi un petit peu de vos vacances, là. D'abord, est-ce qu'il y a vacances? Est-ce qu'il y a Noël? Est-ce qu'il y a famille? Est-ce qu'il y a amis? Est-ce qu'il y a bon repas? Qu'est-ce que vous avez prévu? Famille, à la maison. Oh, Père Noël. Père Noël. Oh non, de Dieu. Boulot de permanence pour les fêtes. Ok. Noël en famille. Vous avez vu passer Père Noël ou pas? J'ai prévu de dormir, Minos, moi aussi. Vacances dans la belle famille. Noël en famille. Dodo cadeau quoi? Ma quoi? J'ai manqué un mot. Merci Babylonia 51 pour le 12e mois d'abonnement. Famille en Alsace. Famille en Franche-Comté aussi. J'aime pas Noël. On n'est pas obligé d'aimer Noël. Hein. Hein? Ah, le vent est de retour. Ouais. Ok. Attention, tu es près du bord. Ouais, c'est vrai que c'est. imaginez un instant, je tombe vraiment dans l'eau. Il y a du vent par contre. À l'abri du vent. Là. Petite pause à l'abri du vent. C'est beau, hein? Je cours chaque jour, demande Kayudan. Je courais chaque jour avant que je découvre le stream. Voilà. Puis les journées sont un peu trop remplies maintenant. Mais l'idée, c'est de reprendre une bonne hygiène de sport et de vie en 2024. Mounir me dit si tu tombes à l'eau, je clip et je cours te récupérer.
Qu'est-ce que vous avez prévu au dîner ce soir? Ça cuisine un petit peu ou pas? Vous avez prévu des choses pour ce soir? Chaperon, raclette, dinde. Je vais essayer de survivre. Dinde. Chaperon farci, fondu, bressane, raclette, tout seul avec mon chat. Petit canard aux fruits rouges. Valorant ou le jeune de vie, il faut choisir. Raclette aussi, raclette. Il y a plein de raclettes. Plein de raclettes. Fondu savoyarde, langouste, champagne, les pieds sous, les pieds sous la table. Hein, velouté, butternut, châtaigne, citron, pop, on se fait plaisir. Oh, je vois des gens qui sont tout seuls. Je vous envoie de la force, sauf si c'est pas un souci. Hein. Certains peuvent aussi avoir envie d'être tout seuls. Si c'est pas souhaité, de la force. Et de l'amour aussi. Bacalao, ça je connais. Bœuf wellington, bacalao, c'est pas la brandade ça, bacalao? C'est pas portugais avec, avec du poisson là? Tout seul, en Roumanie, la Belgique. Morue, ouais c'est ça, bacalao, c'est morue, c'est ça. Tourneau de Rossini. Je suis tout seul, mais ça me va, je me suis préparé un couscous, me dit Wisga. Tout seul, ressort de l'hôpital, je me fais mon escalope normande. Kate, on t'envoie de la force, de l'eau ce soir au repas. Moi, je bois plus trop maintenant. Mon fils travaille ce soir et demain, me dit Ratchet. Ah, Wensé me dit tout seul, mais j'en suis bien content. C'est ce que je disais, on n'est pas obligé hein, d'être dans la rôtie de serre. Je t'aime, moi aussi je t'aime, Ritk. Noël en famille à l'île Maurice. Ça va, hein? Raclette! C'est cool. Foie gras, magret de canard, purée de butternut. Butternut rôti. C'est quoi cette mode du butternut là? C'est quoi cette mode du butternut? Butternut, cadeau de Noël, chapon. Bonjour monsieur qui va pêcher. Amuse-bouche. Oui Alexandra, on a vu ça à queue tout à l'heure, merci à toi. Ah! À court. La course à quoi? Mystère, c'est maman et papa qui régalent. Surprise, surprise. Vinirum, c'est la belle vie. Hein. C'est la belle vie. Hein. Boucher à la reine. C'est bon le butternut? Mondeur ou concoyote? Ah, les deux, les deux. Les deux. Si je devais choisir, c'est Mondeur, mais les deux. Et toi, tu vas manger quoi ce soir? Je sais pas. Je sais pas encore. Je m'occupe de rien, comme d'habitude. Non, je sais pas. Non, c'est ma belle famille qui organise des bonnes choses toujours. Jeff aide mon mieux, notre ami bosse ce soir, on lui envoie de la force. Allez, je vous emmène courir. Go! Hop! On va retrouver un petit peu le vent et le froid. Et puis, c'est pas tout de parler des bonnes choses, mais l'idée c'est aussi de mériter quelque part le bon repas de ce soir. Avec un petit peu de calories brûlées avant. Quoi. Ça va mieux la colle hein, de ce côté-là. On saura pour les prochains jours si je retourne courir que quand on va vers les ponts, là, ça cut. Hein. Ça cut. On se rapproche de l'eau. Si je tombe à l'eau, essayez de me géolocaliser, d'appeler les secours, je suis à Besançon. Il y a un gars un peu bizarre, un peu barbu. Il est tombé dans l'eau. Normalement, il y a un bras qui dépasse avec un stabilisateur et un iPhone qui doit dépasser de l'eau. Oui, barbu. Je suis barbu, là. Je suis barbu, là. Bah, la barbe, 3 jours. Oui, barbu pour moi, quoi. Parce que avec la télé, je suis souvent rasé de près, quoi. N'oubliez pas que le principe de ce stream est assez étonnant et assez révolutionnaire. C'est-à-dire que toutes les calories que je brûle là, elles sont brûlées pour vous aussi. À toutes les personnes dans le chat là, on va pouvoir manger 2 fois plus ce soir. Parce que les calories sont brûlées pour vous aussi. C'est un nouveau concept. C'est unique au monde, ne cherchez pas, personne ne fait ça. Profitez. Quoi? J'entends pas très très bien. Qu'est-ce que vous dites? Si on sub, est-ce qu'il y a plus de calories brûlées? Oui, tout à fait, oui.
Il y a une étude scientifique australienne qui dit que chez les gens qui subent, ils ont les calories qui sont brûlées trois fois plus. Voilà, c'est ça, c'était ça la question, j'ai pas bien entendu. C'est une étude scientifique australienne qui dit ça. Voilà. C'est bizarre d'ailleurs. Je sais pas comment ça marche. Et là, il y a un petit chien qui vient. Bonjour. Salut David, comment ça va? C'est scientifique, oui, c'est une étude australienne. Je crois, en vrai, on sent que j'ai quand même beaucoup perdu, quoi. Ça court de partout. Putain, mais Besançon, c'est une terre de running, quoi. Ça court de partout. La source de mon étude scientifique, t'inquiète. Je l'ai lu sur Twitter, sur X. D'un gars qui avait l'air de suivre vachement l'info, qui s'intéressait vachement à tout ce qui était le Covid, il parlait beaucoup du Covid. Le conflit russo-ukrainien, tout ça. Voilà. Un compte qui avait l'air assez carré. Ouais, il avait un petit descriptif aussi de son parcours et je n'ai pas compris le mot parce que je ne voyais pas de quoi il s'agissait, mais il disait qu'il était platiste. Platiste. P-L-A-T-I-S-T-E. Platiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est lui qui m'a parlé de cette étude scientifique australienne. Platiste. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle ? C'est trop mignon que certains me donnent la définition de platiste du coup. Non, je savais. C'était pour vous faire rire. Platiste, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Alors c'est pas forcément faux d'ailleurs. C'est là. Parlons-en. De mon expérience là, regardez. De mon expérience de ce matin là, la Terre monte et descend légèrement, certes, hein, il y a des petites côtes, mais alors par où je vais moi maintenant, mais je vois, j'ai pas l'impression qu'elle soit ronde, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pas complètement con, hein. Si c'est complètement con bien sûr, ça, je le dis juste parce qu'il y a toujours des gens au premier degré qui disent quoi. Samuel, le 24 février, décembre 2023, en live sur Twitch, j'en ai fait un clip, a déclaré que les platistes ne disaient pas que des bêtises. Hein. Et ça part sur Twitter et c'est parti. Et ça devient le buzz de l'hiver. Bon, je le précise tout de suite quand même. Hein. Je sais pas du tout où je vais là, on y va. Ah, quelqu'un est triangulariste dans le chat. C'est quoi triangulariste? J'ai peur de la réponse. Ouais. Et Besançon, la Franche-Comté, c'est une terre de sport, quoi. On est le 24 décembre. Ça court dans tous les sens. Il y a du vélo dans tous les sens. Mais c'est pour ça qu'ils sont si... Et les gens ici, ils ont l'air en forme, ils ont l'air en bonne santé. Elle aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est sportif. Je suis platiniste. Et la Terre, c'est Michel Platini. C'est pas mal. Allez!
tu m'as motivé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti courir, je crois. Ah, j'adore. Sinon, dans l'actu, vous avez vu des choses ou pas? J'ai lu rapidement les journaux ce matin, avant de courir. Il y a des choses qui vous inspirent un peu dans l'actualité. En ce moment, t'as encore un monsieur qui fait du ski sur bitume. Hop, regardez. C'est beau, hein? Le petit garçon tout à l'heure. Je vous montre, c'est trop joli. Bravo, moi, je trouve ça super. Hein. Bravo. C'est incroyable. Kanasutra, joli. On est à Besançon, dans le Doubs. Quand est-ce qu'on fait une revue de presse en courant? Imaginez la tête de la revue de presse en courant. Ah oui, l'avion à l'arrêt pour soupçon de traite d'êtres humains. J'ai vu ça dans le journal. Ouais. Un avion qui a été immobilisé pour soupçon de traite d'êtres humains. J'ai vu ça. Merci Néolikos, j'espère que je prononce bien. Les pseudos sont écrits tout petits là sur mon petit écran. Alors, une fois que je me bade avec un iPad en fait. Un grand iPad connecté à ma 4G pour vous lire. Mais ce serait compliqué je pense. En termes de poids, en termes de maladresse aussi parce que je suis pas très adroit. En termes de connexion. Combien je cours là? Pour courir bon temps là. Si je cours 8 bornes, 10 bornes, c'est bien maximum. C'est un scandale avec les streamers US et caritatif quoi. Brizou, c'est quoi ça? C'est intéressant. Brizou me parle d'un scandale avec des streamers US et du caritatif. C'est quoi cette histoire? Ah oui, j'ai vu la journaliste de France Info là. La jeune femme de quoi, 31 ans, qui avait médiatisé son combat contre le cancer dans un podcast là, quelque chose de très 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 fort, ouais, qui est décédé, ouais, ça c'est super triste. Pensez pour ses proches. Jeune femme qui était à l'aube de sa vie, elle disait j'ai à peine commencé ma carrière professionnelle, je suis à l'aube de ma vie, de la construction de ma vie. Et elle s'était battue avec beaucoup de courage, les médecins avaient dit que c'était bien ce qu'elle faisait parce que c'était un témoignage qui pouvait aussi servir aux autres malades. Et j'ai vu que c'était beaucoup salué sur les réseaux. Une pensée pour elle. Certains me parlaient aussi de cette polémique aux États-Unis avec des streamers et du caritatif. Quelqu'un m'a dit détournement de fonds, est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est des gros streamers? Est-ce que ce sont des sommes importantes? C'est quoi? C'est un vrai truc? C'est avéré? C'est une rumeur? C'est vraiment cette histoire. Oh, il y a un petit chien. Vous pouvez m'en dire plus? Je n'ai pas vu cette info. T'es devant chez moi, Samuel. Ok. Prouve-le. Sors. Sors. Si tu es chez toi, bien sûr, si t'es pas parti au travail. Ce serait drôle. Quelqu'un me dit que je suis devant chez lui. Ou chez elle. Sors en costume de Père Noël. Alors ça, c'est une boîte de nuit, ça, je crois. Qui a fermé, d'ailleurs. Je vous montre. Ce serait plutôt via leurs agents, mais oui, on parle de plusieurs millions. Quoi? Ce serait des agents, c'est des gros streamers qui ont fait des levées de fonds en passant par une compagnie qui au final gardait la moitié des fonds. Des millions, des canards, des millions de dollars, et la moitié aurait été détournée, et plutôt par les agences. Waouh! T'es bien renseigné, Sam, sur cette histoire, me dit Nvio. C'est fou ça. Il y a MMG qui dit quelqu'un a une source pour les infos, un article. Très bon réflexe d'MMG, un de nos charmants modérateurs qui dit vous avez une source pour cette info ou pas? Ça court, mon Dieu. Je remonte les canards. Sous les canards. Allez, moment canard. Là, on a une renard. Oh, ah ça, regardez la blague. La jeune femme a vu la caméra. Elle courait comme une dingue. Et là, ça a ralenti d'un coup. Hein. Il n'y a plus personne. Maintenant qu'elle m'a passé. Oh, elle s'arrête et marche. Oh, la fraude! Oh, la fraude! Putain, elle m'a doublé, j'étais en mode waouh, la foule est de ouf! Là, je me suis dit, je prends cher quoi! Et hop, elle me passe, et hop là, on marche! Et,
Ouais, attends, je fais ça tout le temps, moi, j'arrête pas de faire ça. Merci. Oh, il y a Canard Noob qui vient de prendre un sub au moment où je monte des canards, regardez, c'est incroyable. Moi, je fais pareil. Hein. Quand je croise des gens, je relève le menton, là, je respire, j'allonge la foulée, puis après, il n'y a plus personne. Hein. Tout le monde fait ça. Hein. C'est pas du fractionné, non, elle est complètement à l'arrêt, là. Non, mais je pense qu'elle est fractionnée. Voilà, moment canard, c'est offert, c'est gratuit. Moment canard. C'est beau, hein? Attends, je me rapproche. Si je tombe, vous dites où je suis. Hein. Voilà, moment canard. Regardez comme c'est bucolique, comme c'est apaisant. Je vous fais un petit travelling de canard, regardez. Petit travelling de canard. Oh. Regardez. Et on va chercher l'autre qui le rejoint, qui arrive sur la gauche de l'écran. Comme c'est beau. Et là, comme le dit Caradoc, il y a un chasseur, il voit le canard, paf, il tire. Oh, c'est beau. Petit moment canard, ça vous est offert par la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Oh non, arrêtez. Oh, il y en a dans le chat qui sont... Ah, du magret, c'est pour ce soir. Let's go. Allez, go. Quelqu'un qui me dit, ça, merci pour ce petit run. Ça fait 3 semaines que je suis à l'arrêt pour cause de blessure, ça fait du bien. Pas sûr que mon petit run à 5 km/h, avec des pauses tous les 500 mètres, te fasse beaucoup de bien. Si tu voyais la réalité de ce run, tu rigolerais bien. Mais c'est très gentil, merci à toi. Et force à toi. C'est chiant. Ouais, quand je faisais beaucoup de volume, j'ai eu des petits soucis de tous les coureurs, que ce soit au dos, aux genoux, apponez-vous. J'ai fait une apponez-vous-it. Oh, bref. Un truc à vous de planter une fois, là. J'ai été arrêté quelques semaines. C'est frustrant. Ça motive à sortir. Moi je fais ça surtout pour pouvoir manger plus ce soir. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas dans le stream tout à l'heure, toutes les calories que je perds sur ce stream seront perdues par tous les viewers aussi. Voilà. Et vous pourrez manger 3 fois plus ce soir. Aponevrosite plantaire, voilà, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Ça fait mal ça. Ouh là là. Ouh, ah, le syndrome de l'essuie-glace. Grand classique, ça aussi, j'ai eu aussi. Ouais. Grand classique. Ça, c'est de la foulée, ça. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Le sens du sacrifice de Sam qui perd nos calories. Exactement. Exactement. C'est scientifique. Hein. C'est une étude scientifique australienne qui m'a montré que je pouvais perdre vos calories à distance. Je peux aussi faire revenir l'être aimé aussi à distance. Je répare aussi toutes les voitures. Surtout les berlines allemandes, à distance aussi. Il me faut juste une photo. Il me faut juste une photo de la voiture et son immatriculation. L'endroit où vous la garez, la carte grise, vous m'envoyez ça par courrier, dans une boîte postale. Et les clés aussi. Je vous mettrai l'adresse dans le chat, les modérateurs ont toutes les références. Tu t'enveloppes. Vous mettez ça, vous mettez la carte grise, les clés, une photo du véhicule, l'endroit où vous la garez, et je, à distance, j'interviens, je la répare. Après, je vous renvoie le tout par la poste, bien sûr. Alors, travailler en équipe, des copains qui sont assez mobiles, voilà, vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez plus jamais de soucis de voiture. Jamais. Voilà. Ouais, paiement Paypal. Ouais. T'as oublié la CB avec le code. Non, ça c'est une autre opération, mais je vous en parlerai, ça. Ouais. C'est une autre opération. C'est autre chose. On peut payer en Bitcoin, bien sûr. Bien sûr. Comme dit quelqu'un dans le chat, no arnaque, Samuel est un influenceur, donc on peut lui faire confiance. Est-ce que tu veux le certificat de session avec pour faire les choses bien? Oui, ça, du coup la réparation est plus efficace.
Voilà. Vous êtes vendu en l'état, vous datez, vous signez. Je m'occupe de tout. Des choses. C'est une course, ça, je l'ai faite, je sais plus. Je suis pas à la montagne, c'est mignon de donner, je suis dans le Besançon, où il y a un beau relief en vrai. On peut visiter un petit peu. Regardez comme c'est, apaisant. Allez, un petit travelling. Regardez. Et ça, c'est le Doubs. C'est beau, hein? Merci Rilvain. Oh merci. J'arrive pas à voir tous les subs. Merci Rilvain pour le 23e mois d'abonnement et bonne fête de Noël à toi aussi. C'est beau hein. Allez, on y retourne. Il y a une semaine, t'aurais eu des pieds dans l'eau, me dit Luna qui connaît la région. Alors, ça je connais. Me dit quelqu'un dans le chat, c'est cool. Moi aussi, à une époque, j'ai beaucoup couru là. Quand j'étais au top de ma forme. Après, j'ai découvert le jeu vidéo. Quelqu'un qui dit, il y a toujours eu un côté sinistre dans le Jura, mais en vrai, c'est cool. Non, c'est pas sinistre. Non, c'est pas grave. Non, c'est vachement beau comme région, t'es fou. Comment vivre à Paris avec ce beau paysage? Ben oui. Parce qu'il y a la fibre et tout, hein. Allez, bon. Paris. Juste pas moi. En fait, le vrai truc, c'est qu'il y a plein de choses. Enfin, en fait, on se plaint toujours de Paris, mais il y a quand même des trucs sympas, quoi. La vie culturelle, les musées, les expos, tous les trucs quoi, les restos qu'on est un peu gourmand. En matière d'école, il y a le choix, il y a plein de choses très très différentes, du privé, du public, du bilingue, du Montessori, il y a une offre très importante. Voilà. Pour l'étude supérieure après, pour les enfants, c'est plus pratique. Il y a des trucs en vrai, il y a des trucs sympas en vrai. Pour le boulot, n'en parlons pas, quoi, en termes d'opportunités, évidemment, quoi. Alors, au niveau des défauts, bon, bah, il y en a quelques-uns aussi. Il a bien changé, Antoine de Maximi. Trop mignon. Oh. Merci, Mickey. J'ai vu ton sub. Je les vois pas tous quand je cours, mais je l'ai vu. Ouais, le bruit du... Il y a une petite chute d'eau, là. C'est joli, hein. J'irai courir chez vous. C'est pas une écluse. Il y a des écluses, mais là, c'en est pas une. Je sais pas pourquoi la petite cabane. Bonne question. En vrai, je sais pas. Je suis passé devant des centaines de fois. Je me suis jamais demandé. Oui, Circe, t'as raison, sur Paris. Vous voulez qu'on aille voir? Il y a des trucs écrits là. Vous avez de bons yeux ou pas? Écluse numéro 52 de Velotte. C'est pas une écluse. Ah si, là il y a une écluse en bas, oui. Pardon, là. Ah oui, vous avez raison. Si, écluse. Il y a une petite écluse là. Mais je comprends pas trop le principe de l'écluse ici parce que... Comment dire? Je vois pas trop l'intérêt de cette écluse là. Mais ce que je veux dire? Normalement, c'est pour faire le niveau sur un même bras d'eau, quoi. C'est bizarre, je sais pas trop. Ah, pour
le barrage à gauche. Ah d'accord, ok. Faut passer la chute. Ah ok. Ah bien vu. Faut passer la chute. Ah là là. Putain, la qualité du chat. Pour permettre au bateau d'éviter le barrage. Putain, je suis con hein. Putain, j'y avais pas pensé. Et voilà, j'ai appris un truc. J'adore. Ok. Excellent. Donc c'est bien une écluse. Parce qu'il y a une dénivellation importante. Ok, ouais, bravo. Hein. À quand un stream en forêt, me dit Mélissa, je crois qu'il y a un problème de connexion. Le Parisien, tu peux te moquer de la raison. Il y a bien qui prend le Parisien. Le débile aussi. Hein. J'aurais dû 2, 3. En forêt, je crois que la connexion, c'est chaud. Mais bien sûr. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'écluse derrière moi, c'est évidemment pour permettre au bateau de passer le barrage. Enfin, c'est évident. J'espère que tout le monde avait la réponse parce que faut vraiment pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Enfin, pour le savoir quoi, c'est d'une évidence. Ça pêche. Ça pêche. Pas de bruit, pas de bruit. Faut pas effrayer le poisson. Ça pêche, ça pêche. Oui, Samuel, arrête de faire mine, de t'intéresser aux pêcheurs. Le seul truc qui t'intéresse, c'est de pouvoir marcher pour respirer. Personne n'est dupe. Hein. Ça pêche pour ce soir. Non, lui, si la pêche est bonne, non, c'est chiant ça. Moi, j'étais pêcheur quand j'étais jeune. Ça, quand tu pêches, c'est pour être tranquille. Hein. T'imagines le gars avec son iPhone, là, le Parigo, là, le roi de l'écluse. Là. Ah, la pêche est bonne. Chez moi, on appelle ça un gros lourd. Hein. Par contre, hein. Je vais revenir à la maison qui a un bon teint de Père Noël. Je me suis même mis de la crème ce matin avant de partir pour protéger ma petite peau. Important, hein. Hey, les jeunes là, si vous voulez, à mon âge canonique, avoir ce magnifique teint de pêche, protégez votre peau. Hein. Même les garçons, tout le monde, hein. Prenez une petite crème. Hein. Hein. Évidemment, c'est la télé qui m'a appris ça parce que en télé, j'en fais depuis 25 ans, on va dire. Ben, on te maquille, on te démaquille sans arrêt, quoi. Et les maquilleurs, les maquilleuses sont très gentils, ben, ils te mettent de la crème avant le maquillage pour protéger ta peau et après le démaquillage aussi parfois pour protéger ta peau et qui t'explique c'est important, quoi. Et ben mine de rien, ça fait 25 ans que je me crème la gueule. Allez, ça, allez, le bestio. Bon, là, j'ai une tête bizarre avec mon bœuf, mais. La crème, la crème. Donc, moi, je pense qu'à partir de 20 ans, hein, le matin, c'est une petite crème de jour, quoi. Voilà. Hein. Ah oui, tuto beauté, on fait tout ici. On répare les bagnoles à distance, on court, on fait du sport, on parle de l'actualité. Quelle crème, la crème que tu veux. L'important, c'est d'hydrater, quoi. Pas cher, pas cher. Alors, justement, je vais vous mettre un code dans le chat. Oh là là. Imagine l'escroquerie, quoi. Alors justement, vous en parlez, c'est complètement incroyable. On en parle complètement par hasard. Je ne sais pas qui a amené la conversation. Alors justement, j'ai les modérateurs, les pauvres modérateurs, ils en peuvent plus. Les modérateurs vont vous mettre un code dans le chat, là, et vous aurez moins 15% sur une crème incroyable. Une crème néo-zélandaise. Un truc, vous m'en direz des nouvelles, un petit peu cher, mais incroyable. La crème Glow Up, ça s'appelle. Voilà, vous verrez le... Moins 15%. Dépêchez-vous, hein. Attends, j'ai fait ça toute ma vie. Le code ne dure que 15 minutes, hein. Voilà, dépêchez-vous. Il n'y en a pas pour tout le monde. Imaginez, putain. Imaginez le stream. Oh, la tête du stream. Oui, il y a un loueur de vélo. Hein. Bien vu. Allez. Ah, il va y avoir les panneaux un petit peu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ça file, ça file. Alors, un petit peu de géographie. Donc... Regardez où on est. Donc là, on a une véloroute, là, je sais pas comment, une euro vélo, je sais pas quoi là. Donc les routes européennes à vélo là. Donc on est à 2,5 km du centre de Besançon. On est à 2 km de Beure. Alors ça, Beure, ça m'a toujours fasciné. Quand j'ai découvert qu'il y avait une commune pas loin qui s'appelait Beure, avec un seul R, ça m'a fasciné. Beure. Et comment on appelle les habitants de Beure? Les Beuriers.
les beurres de micelle, les beurres doux. Et, voilà. Et donc ça m'a fasciné. Et je suis allé courir à beurre, c'est charmant, c'est tout petit. L'Euro Véloroute, j'ai fait ça en septembre, il y avait moins d'eau. Oula! Waouh! Bonjour! Alors, ouais. Les beurrets, les beurrois. J'aime me beurrer la biscotte. Tout le monde a la rêve, bien sûr. Le beurre doux, ça n'existe pas. Ah, il y a des Bretons dans le chat. C'est marrant parce que moi, j'ai deux petits garçons à la maison. Malo, il mange que du beurre de micelle. Et Solal, que du beurre doux. C'est génial. C'est fascinant. Malo, c'est beurre de micelle. Alors ça, donc du coup, je lui ai expliqué que c'est chez nous, c'est en Bretagne, quoi. Merci beaucoup, Seba, pour le 27e mois d'abonnement. Et Malo, c'est beurre de micelle. Et tu vois, papa, je suis franc-comtois et breton, et parisien, mais je suis pour le beurre, je suis breton. Et son petit frère de 3 ans et demi, Solal, lui, c'est beurre doux. Hier soir, on lui a mis du beurre de micelle sur son pain. Il a dit... Et on lui a cherché du beurre doux, quoi. Le gentilé, c'est beurreau et beurotte. Les habitants de beurre, me dit MMG, qui allait voir. Hélène, elle est beurre doux. Mais Hélène, elle mange pas beaucoup de beurre, je crois. Hélène, elle mange beaucoup de Mondor et de Cancoyote. Ouais. Le pire, c'est le beurre au cristaux de sel. Ouais, c'est trop, ça. Moi, j'aime le beurre salé. Quoique avec l'âge, à mesure que je dépasse les 20-21 ans, je ne sais plus quel âge j'ai exactement, je me rends compte que moi qui étais un gros mangeur de beurre salé, eh bien je suis en train de passer au beurre doux. Mon palais est en train de se débretonéiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, une mayonnaise sur la pizza, certains ont la rêve, bravo. Certains connaissent cette chaîne et mon univers. Et une des premières choses qui m'a séduit chez Hélène, c'est un repas à la cantine de France Télévisions il y a, je sais pas, 12-13 ans. C'était mon premier déjeuner à la cantine, grand moment. Elle demande une pizza 4 fromages à déjeuner. Voilà. Et moi ça m'impressionne. Je me dis, ok, cette femme n'est pas comme les autres. Moi je mangeais beaucoup avec des femmes qui mangeaient des pizzas à verre le midi, des petits trucs, toujours à faire attention. Voilà. Elle fait péter la pizza 4 fromages à midi. Je me dis, ok, cette femme n'est pas comme les autres. Et respect. Tu vois. Let's go quoi. Bam! Et là, elle prend le tube de mayonnaise sur la table et elle arrose. Cette scène est réelle, hein. Et elle arrose sa pizza 4 fromages de mayonnaise. Premier déjeuner ensemble. Et je me dis, cette femme n'est pas comme les autres. Et j'ai commencé à m'intéresser à elle à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, cette femme. Et puis après, tout m'a confirmé qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle était exceptionnelle et pas seulement pour la pizza 4 fromages de mayo, quoi. Voilà. Ça a été l'avenant. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça qui sort un peu des. Qu'elle s'en rende compte ou pas, mais des clous, quoi. J'ai envie de jouer du piano debout, quoi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Bah, Hélène, c'est pareil, mais avec la maillot. Si elle avait été dans le chat, on l'aurait ban et tu ne l'aurais jamais rencontré. Il y a un modo qui vient de dire. Si jamais elle avait été dans le chat et qu'elle avait dit ça, pizza 4 fromages à la mayo, on l'aurait ban et tu l'aurais jamais rencontré. Faut être complètement marteau pour sortir des clous, me dit Titou, mais pas Titouan. Pas mal, pas mal. Je vous fais vivre le paysage. Là, on vient de passer un pont. Très joli pont. Voilà, un très joli pont. Une passerelle qui n'existait pas il y a quelques temps d'ailleurs. Je crois qu'elle a été construite il n'y a pas longtemps. Voilà. Et là, des petits chemins. Des petits chemins et puis on va continuer à courir un petit peu, je pense. On va descendre là, on va courir un petit peu en bas là, encore un petit peu. Quelqu'un a baptisé la pizza 4 fromages mayo la pizza si rose. On descend un petit coup. Quelle heure il est? J'ai pas l'heure moi sur mon appli minimal là. Il est quelle heure? Enfin, c'est pas vraiment un footing, hein. J'arrête pas de. 11h14, je n'arrête pas de marcher. Hein. C'est la honte. Je pense que ce stream est beaucoup plus une excuse pour moi pour ne beaucoup marcher, pas courir, plutôt que de streamer en fait. Je suis une énorme fraude. Par contre, je vous montre comment c'est beau. Là, on redescend près de l'eau.
pense que c'est encore plus calme. Encore plus calme de là où on était. Que là où on était. C'est super joli, regardez. Super joli. Il est bien mon petit bras stabilisateur en vrai. Très mystérieux, attention. Très mystérieux. Une petite grille. Voilà. Là il y a l'eau. Regardez, là il y a l'eau. Et là, une petite grille, mystérieuse, mieux de rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un terrain, il n'y a rien d'autre. On va pas rentrer là. Le sanctuaire de Voldemort. C'est pas un cimetière, non. C'est un terrain nu. Voilà, voilà, je sais pas s'il est constructible, il est au bord de l'eau. Voilà. Tu nous ferais. Ouais. Une maison hantée. C'est quoi l'urbex déjà? Vous êtes plusieurs à parler d'urbex. Il y a Amine et Billy qui vont surgir. J'ai la ref. Arc 70, merci pour le soutien. Ouais, peut-être un terrain pas constructible en zone inondable. C'est quoi l'urbex déjà? Visite de lieux abandonnés. Exploration urbaine. Ah, ok. Il y a des streamers qui font ça ou pas? Il y a des streamers qui font ça? Oui, toi. Billy le faisait un moment. Les youtubeurs le font, ok. Ok. Bon, on y retourne alors. Ok. Il y a Nicolas au Funstat qui le fait. Mais il stream pas, ok. Vous trouvez des bons endroits et ça se fait, ok. Urbex. C'est pas un truc que j'ai consommé, ça, l'urbex. Ok. Urbex dangereux, ça peut être illégal, ça peut être dangereux aussi, attention. Ok. Toi, quand tu joues à Valorant, ah ouais, c'est vrai, je fais pas mal d'urbex, moi. Vu que je connais pas les maps, je me promène. Hein. Je pense que je fais plus de running, de footing à Valorant que dans la vraie vie actuellement. Ça, j'explore. Je suis tout seul en zone A, tout le monde en train de se bagarrer en zone B. Hop, on met le couteau pour courir plus vite, c'est parti. Ça, je cours. Japon en fait dans le monde entier, c'est la série X site. Ok, d'accord. C'est quand la nuit The Witcher? Ah bah c'est pas tout de suite, j'ai honte. Je vous avais promis une nuit The Witcher à nouveau et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais la faire dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant de partir en vacances, en me disant bah, je vais me réveiller crevé, c'est pas grave. Alors, je vais me coucher à 5h du mat, je vais me coucher, on va prendre le train, tout va bien quoi. Et en fait non, je suis trop. Petit coup de fatigue. Pas du stream, pas de vous, pas de Witcher, mais le corps est un peu fatigué. Enfin, je pense que j'ai chopé un petit virus en fait. C'est les dernières semaines qui m'a un peu fatigué. Et du coup j'ai senti que j'avais un peu l'appel du sommeil en retard, donc je ne l'ai pas fait. Quoi. Donc c'est repoussé, je pense, d'une semaine, puisque lundi prochain. Pas lundi demain, lundi prochain. Quel jour on est d'ailleurs? Quel jour on est? Non, on est. Demain on est lundi demain? Non, demain on est dimanche. Quel jour on est, je sais plus. Quel jour demain? Quel jour là? Demain c'est dimanche? Demain, lundi, c'est ça, ok. Donc, pas demain, mais dans une semaine. Lundi d'après, je reviens à Paris. Avec Hélène, sans les enfants, qui vont rester avec leur grand-mère qu'ils adorent. Et parce qu'on, Hélène reprend le travail, moi aussi. Et là, je vais vous caler une nuit de Witcher. Voilà. Demain, on est Noël. Petit Lucky. Comment ça, demain, c'est Noël? Noël, les cadeaux? Noël, faut acheter des trucs? Demain? Ok. Yeah. J'ai une question pour un ami. Le dimanche 24 décembre, dans les villes un peu importantes comme Besançon, les commerces sont un peu ouverts? Il y a des boutiques ouvertes ou pas? C'est pour un ami qui a un peu tôt streamé, qui a dû oublier 2-3 trucs. Oui, c'est ouvert. Ok, je vais lui dire alors. Ok, c'est une bonne nouvelle pour cet ami. Il n'y a peut-être acheté aucun cadeau cette année.
Merci pour lui. Bah, terrain de rugby, terrain de football. Je vais lui en parler. Je vais lui envoyer un message. Petit terrain de sport. Ramasse quelques bâtons et cailloux, ça fait des super cadeaux pour les enfants. Oui, il n'y a pas que pour les enfants que j'ai pas acheté de cadeaux. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, en vrai, pour les enfants, c'est fait. Non, ouais, pour mon épouse, j'ai sauvé les meubles. Parce que on a eu une discussion à ce propos hier et c'est trouvé une bonne idée de cadeau. Mais que j'aurais pas dans les mains, mais j'ai un peu sauvé le truc, quoi. Pas facile, les cadeaux. T'es dans le Jura. Non, je suis dans le Doubs. Je suis pas loin du Jura. Vide une boîte à livres, vous êtes grave. Ah, il y en a une boîte à livres. Vous avez vu une boîte à livres? Ah, c'est pour ça que vous en parlez. Ah oui, ah bien vu, bien vu. Eh bien vu. Tu vois, chérie, pendant là, j'ai acheté un livre. T'imagines? Oh, le rat. Imagine le rat. Tu vides la boîte à livres et t'arrives, tu prends, tu vois, t'as 7 cadeaux à faire, tu prends 7 livres, tu les distribues, gros moment de gêne, et là, ta femme te dit, non mais on a vu ton live en fait, non mais on a vu ton live, on a vu le clip que tes modos ont mis sur les réseaux, là. Quand tu piles la boîte à livres, imaginez la gênance, quoi. Ça souffle bien. Sinon, tu peux tricher et offrir des pâtisseries. Non, oh, Hélène, ne mange pas de gâteau. Elle mange des bonbons, mais elle mange pas de gâteau. Moi, je mange pas de bonbons, je mange des gâteaux. Et elle mange pas de gâteau, elle mange des bonbons. On nous salue de Normandie. Salut les Normands. Les Francs-Comtois. Salut les Normands. Wouhou! De coloriage fait à moitié. Non, non. Commande-lui une pizza. Non, ça va. Tu vas jusqu'à où comme ça? Bah, tant que j'ai de la batterie, je cours. La fois, j'ai couru comme ça pendant deux jours. C'est pas vrai. Escargot, là, c'est bon, l'escargot. On nous salue de l'un, on nous salue de l'heure, on nous salue d'où? Non, je vais rentrer, vous êtes bientôt rentrer là. Les pizzas, elles viennent de Mongolie, dit Parigo. J'ai pas du tout la ref là. On nous salue de Suisse. Dana, tu n'es pas très loin alors. On nous salue de l'Alsace. De Paris. Chemical, what the fuck. Pas de soleil dans le Doubs. Non, pas là, non. Par contre, il y a les Pères Noël. Allez voir. Salut de l'Hérault. Salut de Belgique, salut du Cher. Bonjour du Lot. Salut Mélissa. Salut Loulou. Bonjour de Flandre. Hop, un Père Noël. Il y a beaucoup de Père Noël ici. Salut de Montlis. Joli. Salut des Ors. Cet homme est à l'origine de la légende de Forrest Gump. Salut de Lyon, où il fait beau. Marseille. De La Rochelle. De Strasbourg. De Lille. De quelqu'un qui a le don d'ubiquité. Ah, il y a un petit truc pour faire du sport. Dans ma salle de bain, dans mon canap. Regardez, là, il y a un petit truc pour faire du sport. Petite installe là, pour les enfants. Tout ça. Bordeaux, Nancy, Marseille, de Brest, de Nice, de Courbevoie, du Vietnam, trop bien. De Montlis, Perpignan, des Wawa. C'est quoi comme ville ça? Les Wawa? Ah, les Wawa, les Water. Putain, j'ai pas entendu ça depuis 1978. Putain, j'ai connu quelqu'un, mais à la fin des années 70, qui disait Wawa. Mais plus personne dit Wawa. Qui dit encore Wawa? Je lance le débat. Je pose la question. Comme dit notre animateur préféré sur ce sujet. Je pose la question.
Non, mais est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez les Wawa? Non mais répondez! Répondez à la question! Mais répondez à la question! Est-ce que vous condamnez les Wawa? Les Wawa! Plus personne dit ça! Plus personne dit ça! Non, c'est insupportable ce que vous dites! C'est insupportable ce que vous dites! C'est intolérable! C'est intolérable! C'est intolérable! Je peux pas vous laisser dire ça! Est-ce que vous condamnez les Wawa? Qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce que je suis con? Samuel, tu es vers chez moi. Vive Bezac. Merci Nam Rocho pour le soutien pour le 21e mois d'abonnement. J'adore. Les Wawa. Calmez-vous, Pascal. Les Wawa sont en dehors de l'arc républicain. Exactement. Merci. Ah, j'ai loupé un sub. Merci Chamgrat pour le 5e mois d'abonnement. Bon, bah, quoi, en fait, à force de courir tout doucement, je finis par faire mon petit deep run, je pense. On continue. On continue ou pas? Est-ce qu'on continue? Tant qu'il y a de la batterie et des jambes, on continue? Yes! Ok, on continue. En fait, ce stream, c'est l'occasion pour moi de dérouiller les jambes et puis d'échanger aussi un peu avec vous, répondre à vos questions que vous souhaitez sur. Peut-on encore utiliser le terme Wawa en 2023/2024? Quelle distance tu vas faire là ou pas? Ouais, entre 8 et 10 bornes, pas beaucoup plus. Hein. Je cours très doucement là. Très doucement. Cours pas vite. Hein. Joyeux Noël à tous. Je lis un message dans le chat. Oh, jusqu'au bout de la terre avec toi, Samuel. Merci beaucoup. Je vais toujours les. Il y a Manon Richou qui dit, moi je dis pas les Wawa, je dis les Wouwou. Tu dis les Wouwou, t'es en famille, t'es avec des gens que tu aimes, tu dis je veux Wouwou. Excusez-moi, je veux Wouwou. Non. Personne dit ça. Personne dit ça. Qu'est-ce que... T'es dans un repas de business, repas d'affaires, repas avec des collègues, tu dis excusez-moi. Excusez-moi l'instant, je vais au wouwou. Personne dit ça. Salut Asmot, bonne journée à toi. Personne dit ça. Alors, il y a qui quelqu'un vient de demander, Sam, des conseils pour commencer la course à pied. Bon, alors, commencer la course à pied. Bon, j'ai le droit, hein, j'en ai fait un peu quand même. 23 marathons. Si je fais le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris, ce sera mon 24e marathon pour l'année 2024. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ce sera drôle. Voilà. Si j'y arrive, parce que je suis loin d'avoir aujourd'hui un niveau marathon. Mais bon, bref, j'en ai fait. Commencer la course à pied. D'abord, s'équiper. Pour la peine de dépenser les 1000 et des 100. C'est un sport qui doit rester super rapide. Bon. Tu te renseignes sur une bonne paire pour débuter. Bonne paire de chaussures. Hein, bon, tu peux te faire conseiller par un vendeur, mais parfois ils sont très sympas, parfois ils sont plus ou moins bien. Après, il y a tout chez les vendeurs, il y a des hyper spécialistes, des mecs qui courent à mort, mais qui vont pas forcément te conseiller le bon modèle pour toi. Il y a les gens qui connaissent rien, il y a les gens qui vont te vendre le modèle sur lequel ils marchent le plus. Donc en vrai, va voir sur internet déjà. Il y a plein d'articles, d'essais sur des sites assez sérieux. Voilà. Tu cherches chaussures running débutants. Voilà. Tu regardes un petit peu. Il n'y a pas de bonne marque. Toutes les marques sont bonnes en vrai. Et donc tu trouves un modèle abordable et bien pour débuter. Quoi. Regarde si tu es pronateur ou supinateur. Ou si tu as un pied qui est très très stable. Quoi. Donc, pour mémoire, je crois pronateur, c'est quand ton pied rentre un petit peu dedans.
supinateur si c'est l'inverse. Ou plat. Enfin, voilà, bref. Enfin, au début, on s'en fout en vrai. Même ça, c'est pas important. Donc, une chaussure confortable mais pas chère. Prends large, prends grand. Hein. Faut pas prendre ta chaussure de ville. Hein. Faut prendre une demi-taille, une taille au-dessus minimum. Hein. Ton pied va gonfler pendant l'exercice. Faut vraiment pas que ton pied frotte à l'avant. Donc faut prendre, faut être un, n'hésite pas à être un peu large, moi c'est mon conseil. Après tu peux compenser avec une semelle ou avec une chaussette un peu plus large. Donc alors que si ta chaussure est trop petite, c'est foutu quoi. Bon, c'est une de mes erreurs au début, quand sur mes premières paires de chaussures, je prenais parfois un peu trop petit. Après quand tu retournes au magasin le lendemain avec ta paire de chaussures trop petite, en disant bah j'ai fait 10 bornes avec, je suis pas bien dedans. Hein. Et oui mais monsieur vous avez couru avec. Hein. Voilà. Donc déjà tu prends un peu large quoi, tranquille. Tout petit peu. Tu prends pas du 46 si tu fais du 38, hein, d'accord mec, tu vois. Voilà. Et ensuite, au niveau du stylisme, on s'en fout. Tu t'habilles comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Short, pantalon, t-shirt, manche courte, manche longue, bonnet, bœuf, gasquette, rien. Plaisir, confort. Alors ça, le textile, les marchands, le marketing, ils vont dire l'inverse. Ils vont dire que c'est super important, qu'il y a du textile respirant, des trucs formidables. Oh, ça a bugué. Non, c'est bon, je vous ai toujours. Donc, vous habillez comme vous voulez. Moi, mes meilleurs temps au marathon, mon record au marathon, je l'ai fait. J'avais un short de tennis en coton, un t-shirt nul, enfin, des chaussures qui étaient en vrai, qui n'étaient pas topissimes. Et c'est mon record sur marathon. C'était en 2002, je crois, à Berlin. Et après, j'ai commencé à m'équiper sérieusement avec du matos de plus en plus sympa, de plus en plus cher. Et j'ai couru de moins en moins vite. Hein. Donc évidemment, enfin voilà, surtout si tu mets au début, mets pas d'argent. Le running, c'est le sport le plus accessible. C'est quand tu veux, où tu veux, où que tu sois. Tu mets une paire de chaussures dans ta valise, un short, un t-shirt, let's go. Voilà, donc ça, c'est le premier conseil. Et puis après, plus important, le rythme. Donc au début c'est dur. Et puis c'est. Et tu vas faire, si tu pars de zéro, ça va être très décourageant. Tu vas courir un quart d'heure, t'en pourras plus. Et c'est normal, au début c'est un peu compliqué. Il faut dérouiller tout ça au niveau du souffle, au niveau de tout. Et tu vois, les progrès sont. Salut, merci beaucoup. Social Route pour le 28e abonnement. Et après tu t'y mets et doucement et tu attends les progrès. Et si tu t'entraînes régulièrement, moi je conseille 3 séances semaine. Voilà. Là je vais être très carré là-dessus. Pour le coup, il y a des études sur la course à pied très précises là-dessus. Une séance semaine c'est bien. 2 séances semaine c'est bien, c'est mieux. Mais la séance sur laquelle tu vas progresser, la séance qui fait la différence, qui va te faire progresser très très vite en termes de volume, c'est la troisième. Si tu fais 3 séances semaine, ton niveau de course à pied va très vite augmenter, vraiment. Il y a un gap incroyable entre les. Merci beaucoup Lolo des Bixel. Il y a un gap incroyable entre la deuxième séance et la troisième séance. Donc il vaut mieux courir un peu moins à chaque fois et faire 3 séances semaine plutôt que faire une ou deux à fond. Quoi. Ça se trouve, 3 séances semaine, ça se trouve. Hein. Et donc le quart d'heure, le premier quart d'heure va devenir une demi-heure et tu vas te sentir progresser, incroyable. Tu vas courir très vite 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, très vite une heure. L'important au début étant plutôt, moi je dirais, le temps passé à courir plutôt que la vitesse et la distance. Ne te focalise pas sur la performance. L'idée étant d'habituer ton corps à courir de plus en plus longtemps et à trouver ton souffle et à booster ta capacité cardio-respiratoire, le travail de ton cœur, tes poumons, tout ça. Quoi. Donc doucement. Et une fois que tu auras commencé à faire ce travail de fond, d'endurance, eh bien, si tu veux aller plus loin, commencer à courir, des petites compétitions, des petites courses, 10 km, semi, marathon, tout ça, bah là tu vas rentrer dans des petits plans d'entraînement dont tu vas trouver le détail sur internet, c'est super simple. Et là tu vas commencer un travail de qualité où sur tes 3 séances semaine, tu auras des séances de vitesse, de fractionné, de fartlek, où tu vas travailler un peu la vitesse, la résistance et pas que l'endurance, en alternant des courses rapides et des courses de récupération. Ça c'est la base
des progrès en running, parce que moi je fais plus depuis très longtemps parce que je suis vieux, j'ai une vieille carcasse, donc je fais plus que de l'endurance pure. Enfin, tout ce que je te dis, tu vas le trouver sur internet, mieux expliqué que moi. Mes derniers conseils, le plaisir. Il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu aies du plaisir. On est tous inégaux par rapport à ça. Il y a des gens qui kiffent courir. Il y a des gens qui vont courir, ils sont heureux, ça les détend. Ça leur nettoie la tête, ça produit plein d'endorphines. Ils vont se sentir très très bien. Ils vont aimer ce moment de solitude ou de musique. Moi je crois beaucoup en musique. Bon. Et puis il y a des gens, ça va les faire chier. Ça va vraiment les saouler. Ils aiment pas courir. Ils ont pas de plaisir quand ils courent tout seuls, ils ont pas de plaisir quand ils courent avec d'autres. Faut pas se forcer. C'est-à-dire que. Voilà, on ne fait pas écraser. Tous les sports qu'on correspondent pas à tout le monde. Il faut trouver ton sport. Il y a des gens qui vont préférer faire de la salle. Les gens, moi j'aime pas le vélo, ça me saoule. Je fais beaucoup de vélo quand j'étais gamin, puis là en tant qu'adulte, je trouve ça un peu dangereux le vélo. Donc le vélo ça me saoule, j'en ai beaucoup fait pour le triathlon, mais j'aime pas trop ça. La natation j'en fais, c'est un excellent sport, mais je trouve ça un peu chiant quand même. À compter les carreaux pendant une heure ou deux, j'en ai beaucoup fait à une époque, toujours pour le triathlon, mais c'est pas... Voilà. Donc moi la course à pied j'aime, on n'est pas obligé d'aimer la course à pied. Quoi. Donc le plaisir il faut que ce soit important, il faut que ce soit un moment pour toi agréable. Moi je dirais de détente, un peu de recueillement, la musique, ça peut être un joli moment en musique avec ta playlist préférée. Et si tu as effectivement ce plaisir, ben, tu vas rentrer dans une routine un peu sympa où tu vas avoir de plus en plus de plaisir et tu vas repousser tes limites et tu vas voir ton corps aussi changer, tu vas perdre de la masse graisseuse hein, parce que c'est clairement un des sports qui fait s'assécher, fondre le plus vite en vrai. Hein. Et pour les gourmands comme moi, et pour les gourmands que vous êtes peut-être, c'est quand même un sport génial parce que quelqu'un qui fait de la course à pied très régulièrement, ben, il peut se faire un peu plus plaisir à table. Voilà. Ça, c'est clair. Quoi. C'est une... pour moi, c'est un vrai argument. Voilà. Ton corps change, ça n'est pas sale, j'ai la ref. Voilà. Donc moi qui ai arrêté le sport pendant un an, ben, j'ai vu l'effet inverse. Les petites bouées sur les côtés. Le cœur le rythme cardiaque qui accélère, la capacité respiratoire qui diminue, globalement hein, moins de tenues dans ce que je faisais. Donc moi je sais ce que la course à pied m'a apporté et le fait d'arrêter la course à pied m'a confirmé, tu vas faire demi-tour je pense. Et le fait d'arrêter la course à pied m'a confirmé les bienfaits de la course à pied parce que j'ai vu la différence. Quoi. La perte du souffle bien sûr, tout ça. Voilà. Bon, on va reprendre à propos de course à pied, on va peut-être reprendre d'ailleurs parce que je suis un peu une vraie fraude. Une vraie fraude parce que je vous parle de course à pied et je marche. La théorie de la troisième séance, ça marche pour le vélo, je pense que ça marche pour tous les sports en vrai. Par contre, courir en ville, ça m'insupporte, trop de monde, des bagnoles, air pollué, trottoir inadapté. Ouais, bon, après il y a des parcs en ville. Hein. À Paris, il y a de jolis parcs. Moi j'aime, ça me dérange pas de courir sur les maréchaux par exemple, c'est très particulier. Hein. Pour le coup, c'est plein de bagnoles et c'est un peu pollué. Mais le Maréchaux, donc ce boulevard qui fait le tour de Paris, parallèlement au périphérique, par l'intérieur, avec des trottoirs extrêmement larges, notamment depuis qu'ils ont fait les travaux du tramway. Et donc, pouvoir courir en toute sécurité, sans gêner personne, j'aime bien. Et donc, à ma grande époque, pour m'entraîner, je faisais le tour de Paris par les Maréchaux. Je crois que ça faisait 30... Je sais plus, c'était 34 ou 35 ou 37 km. Mais j'aimais bien quoi. Après on n'est pas obligé d'aimer courir en ville. Voilà. Aussi. Mais franchement, un peu de sport au quotidien, c'est bien. Hein. C'est bien pour le corps, c'est bien pour l'esprit. Et quel que soit le sport, hein, quel que soit le sport. Le problème c'est de respirer le gasoil des. Bah oui, bien sûr. Mais en vrai, bon, Là aussi, il y a des études qui ont dit, scientifiques, vous vérifierez cette info. Mais dans une ville comme Paris, par exemple, même si on respire un air qui n'est pas top, le bénéfice de faire du sport à Paris est supérieur au fait de ne pas faire de sport et donc pas respirer toutes ces cochonneries. Quoi. Il y a des études là-dessus, je crois. Source, t'inquiète, non, source à vérifier. Si tu fais du sport à l'intérieur, le problème est réglé. Ouais, je suis pas sûr que l'air à l'intérieur des bâtiments à Paris soit super meilleur en fait
que l'air extérieur en fait. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Mais je suis étonné du nombre de coureurs que je croise. Quand j'ai commencé à courir de façon très régulière, on va dire il y a. Allez, je recadre. Il y a combien de temps ? Il y a 20-25 ans, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans les rues, dans les parcs, et même sur les courses, quoi. Bonjour. Et ces dernières années, notamment ces 15 dernières années, c'est incroyable l'évolution, quoi. Moi, je cours dans des parcs aujourd'hui que j'ai fréquenté il y a 20 ans, il n'y avait personne, quoi. Et aujourd'hui, le dimanche, ce sont des autoroutes de running, quoi. C'est incroyable, c'est génial. Alors, même au niveau de l'équipement, il y a 20 ans, tout le monde courait avec des shorts de foot, des shorts de tennis, des trucs tout pourris, des chaussures, bon, qui n'étaient pas topissimes. Maintenant, tu veux le matos. Les coureurs du dimanche, t'as l'impression qu'ils vont faire le marathon de leur vie, quoi. Ils sont équipés, nom de Dieu. C'est incroyable, quoi. Tout ça a beaucoup changé, mais c'est bien, hein, ça veut dire que malgré le fait qu'on dit souvent que la France, c'est pas un pays de sport où la pratique sportive n'est pas encore assez importante, je peux vous dire que moi, avec le recul de quelqu'un de mon âge, ces 20 dernières années, ça a quand même vachement changé. Hein. Et pas que pour la course à pied, je ne sais pas si c'est votre avis aussi. Est-ce que vous pensez que le rapport des Français au sport et des Françaises a changé depuis 10-20 ans? Moi, je pense, j'ai l'impression. Hein. On fait beaucoup plus de sport qu'avant. Il y a que la machine qui dit, il y a même un gars qui court en streamant. Il y a des tarés partout. Hein. Les salles de sport, explosion. Plus je vieillis, plus j'en fais. Me dit quelqu'un dans le chat. Il y a un effet de mode. Non, c'est les gens. Au-delà d'un effet de mode, les gens ont compris que c'était bon pour eux en fait. Et pour la société, alors là je redeviens un peu chiant, mais vous savez que pourquoi les pouvoirs publics nous disent, notamment, qu'il faut faire plus de sport au quotidien, les Français. Pas devenir des champions, mais faire du sport, hein, se faire du bien quoi. Un, parce que c'est bon pour vous. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre morale, c'est bon pour les finances de l'État. Parce qu'on sait bien que les gens qui font du sport régulièrement sont moins malades, combattent mieux la maladie, plus fort, se remettent mieux des maladies, des virus, des choses plus graves qui les atteignent. Et puis évidemment, arme super efficace contre les maladies cardiovasculaires. Quoi. Et donc, quand les pouvoirs publics nous disent de faire du sport, c'est parce que c'est bon pour nous, mais c'est bon pour la société, parce qu'on sait que si demain, beaucoup plus de Français se mettaient au sport régulièrement, on ferait des économies de ouf sur les médicaments, les hospitalisations, les traitements. Quoi. En plus, on gagnerait de l'argent au niveau collectif. Quoi. Donc, les gars, là vous êtes 2500, j'espère que tout le monde est en train de courir. Quoi. Bon. Pourtant, je chope toujours des rhumes, moi aussi je chope des rhumes. Non, mais on nous dit que sur les maladies graves, notamment cardiovasculaires, c'est super efficace, quoi. J'espère. Est-ce que ça court? Il y a qui c'est Nat qui joue à Tomb Raider? Ah oui, mais l'industrie du sucre, du coup, elle va faire comment? Bah voilà, c'est ça. T'as tout dit. Est-ce que je peux monter dans le chat? Ah, je peux monter dans le chat. Courir, c'est magique. Tu comprends très vite l'énorme bénéfice et de qualité de vie. Me dit quelqu'un dans le chat, pardon, j'arrive pas à lire tous les pseudos. Perso, là, je mange de la raclette, me dit Charles, mais je suis à 11 heures de sport cette semaine. Waouh! Alors, je culpabilise pas du tout, quoi. 11 heures de sport. Quelqu'un vient de sub, mais j'ai pas le pseudo. Ah! C'est les. Adil. Quelque chose avec plein de numéros. Merci à toi. 11 heures de sport cette semaine? Ah ouais. Tu vas mériter ton repas de Noël, toi. C'est Lady Loki. Merci beaucoup, MMG. Allez, ça court. Ça court, puis la fouille. Merci, ZMR. Il y a des belles foulées. Hein. Qu'est-ce que j'ai perdu, moi? C'est fou. Hein. Et alors, moi, je pensais que... ça reviendrait vite, 20 ans de course à pied vraiment très régulière et un an de pause. Merci Angel Killers pour le soutien. Et je pensais que ça reviendrait très très vite, que nenni. Je me suis vraiment trompé quoi. Je
je pensais que ça reviendrait en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, quoi. Pas du tout, en fait. Putain, ce qui est perdu, c'est vraiment... J'aurais jamais dû arrêter complètement comme ça. Beaucoup de mal à retrouver mes sensations, ma vitesse, ma résistance, mon souffle. Ah, il m'en reste un petit peu, quoi. Le fait que je puisse courir là, tranquillement avec vous et parler, par exemple, bon, il reste un peu, quoi. Mais j'ai tellement perdu, quoi. Waouh. C'est sportif ici. Il y a un monsieur qui me dépassait en patin là. Incroyable. Incroyable. Que nenni. Que nenni. Bien sûr, que nenni. Allez. Quelqu'un me dit, Charles me dit, il me semble que pour que quand tu fais une pause d'une semaine, il faudrait plus de 3 pour récupérer. Alors une grande pause d'un an, par exemple, j'ose pas imaginer exactement. C'est ce qu'il y a d'agréable dans la course à pied. Ah ouais. Est-ce que j'ai déjà couru un marathon? J'ai fait 23 marathons. 23 marathons. Et mon record personnel à Berlin, qui est un parcours très très plat, aux alentours de 2002, 3h13. Voilà. J'ai rêvé de passer sous les 3 heures au marathon. J'ai jamais réussi. Après mon 3h13 à Berlin, j'avais un copain de mon papa qui était un grand coureur, qui a dit à mon père. Donc maintenant qu'il faut qu'il se rende compte que le moindre gain, la moindre minute gagnée, ça va être chaud. Et en fait, moi j'étais un peu jeune et présomptueux. Et je m'étais dit, tu vas voir comment les 3 heures au marathon, je vais les exploser, quoi. Et en fait, je me suis entraîné, bon, un peu à l'arrache comme je fais toujours, c'est-à-dire un peu au feeling. Et puis j'ai commencé à me blesser, en fait, voilà. Le dos a commencé un peu à me faire souffrir. Alors je note aussi que depuis que j'ai arrêté la course à pied intensive, j'ai moins mal au dos aussi, donc bon, attention à la quantité, à la manière dont vous courez aussi. Les chaussures sont très importantes, le sol sur lequel vous courez, c'est très important aussi. Attention, dans le sport à haute dose, ça peut aussi provoquer des petites choses, hein, on va pas se mentir. Bref, je me suis entraîné pour passer sous les 3 heures, puis j'ai commencé à avoir des petits pépins physiques, dos, genoux, tout ça, et j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à passer sous les 3 heures. Voilà. Je me suis blessé 3 semaines. Enfin, j'ai eu mon premier problème au dos 3 semaines avant le marathon où je voulais passer sous les 3 heures. Et donc je vais arrêter de courir pendant 3 semaines. Je suis allé courir ce marathon un peu plié en deux. J'ai pas fait 3 heures bien sûr. Et après je n'ai jamais réussi à améliorer ce record. Mais là, c'est pas ça qui est important. Hein, l'histoire des records, c'est pour connaître un peu ses limites. C'est amusant de voir jusqu'où on peut repousser ses propres limites. Pas être meilleur que les autres, mais meilleur que soi. Puis une fois qu'on a touché ses limites, ce qui a été mon cas, moi, eh ben on arrête et on passe à autre chose. En l'occurrence, je me suis mis à courir, plutôt que de courir plus vite, je me suis mis à courir plus longtemps. Donc j'ai fait mon premier 50 km, mon premier 70 km, mon premier 100 km. Après, j'ai commencé à faire un peu de trail, des courses de plus en plus longues, voilà, comme ça. Donc tu cours de pas très vite, mais tu cours longtemps. Et c'était donc notre façon de repousser ses limites. Comme je n'arrivais pas à courir plus vite, j'essaie de courir plus longtemps. Et ça, c'est cool aussi. Allez, on continue, c'est pas bizarre, c'est pas fini. On va rentrer en courant. Je vais cut. Évidemment, je vais cut le stream quand je vais commencer à me rapprocher de là où je suis en Franche-Comté, parce qu'il ne s'agit pas de montrer où j'habite, où je loge, pour que tout le monde soit tranquille. Même si je sais que tous les gens qui sont avec moi là ce matin sont bien intentionnés, mais il est évident que je vais cut un petit peu avant. Et ça tombe bien parce que c'est en bas d'une énorme côte. Donc ça tombe bien. Super, merci d'être aussi nombreux pour partager ce petit footing de nouvelles avec moi. Je suis content parce que du coup, ce soir, je pourrais me faire plaisir à table. Non mais 100 km c'est pareil, c'est easy hein, en fait. 100 km ça a l'air comme ça. 100 km c'est une course de... Bon, il faut faire toujours pareil, le volume d'entraînement qui correspond à cette course. Et évidemment, tu fais pas 100 km, tu pars pas de... Je fais pas de course à pied puis je fais 100 km. Mais quand t'as fait X marathon avant, quand t'as tenté des trails de 70-80 km, ça se tente. Après, tu vas prendre des conseils de gens qui connaissent l'univers de ce qu'on appelle les 100 bornards. Donc c'est 100 km sur route, hein, c'est pas du trail. Et là, le conseil absolu, c'est... une hyper régularité, en gros du début à la fin, tu dois avoir le même rythme de course.
jamais accéléré, jamais quoi. Donc avec une foulée très économe, assez courte, voilà. Souvent sur un 100 km, donc sur route comme à Millau qui est le plus célèbre, c'est celui que j'ai fait, tu as des suiveurs, c'est-à-dire que tu as un copain, une copine, quelqu'un de la famille qui est en vélo avec toi, et dans le vélo qui a un peu d'affaires de rechange, qui a de l'eau pour toi, tu as un peu à manger, et qui va aussi t'encourager, voilà. Donc il y a beaucoup de suiveurs sur une course comme ça, donc ça peut être un élément aussi de la réussite. Et puis après, tu, même quand tu t'entraînais, tu passes par des états intéressants que tu retrouves aussi sur marathon, quel que soit ton niveau, de doute, de qu'est-ce que je fous là, hein, 30 premiers kilomètres ça va, 50 premiers kilomètres ça va. On va dire qu'à partir de 70 km sur une course comme ça, tu commences à avoir des doutes, quoi. Que tu vas avoir sur marathon aussi au bout du 30e kilomètre, c'est normal. Hein, parce que ta vitesse est adaptée bien sûr à la distance. Et il y a un moment où tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Quelle idée de con. Et tu te dis sur chaque course, quoi. C'est quand même débile. Tu pourrais être chez toi, avoir une bière avec des potes, voilà, à jouer à Valorant, voilà, par exemple. Qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et donc là il y a un dialogue très intéressant qui commence à se nouer entre le corps et l'esprit. Un corps qui te dit qu'est-ce que tu fous là, t'as rien compris à la vie, on arrête et puis c'est fini, t'en referas plus jamais. Ça c'est ce que te dit le corps. Et puis l'esprit te dit non, il y a un petit défi personnel, c'est marrant d'aller au bout de ses limites, t'as couru 70 bornes, il en reste 30, t'en peux plus, bah justement tu vas aller trouver les ressources mental en toi pour faire ces 30 bornes. Et peut-être que tu vas marcher, peut-être que tu vas crier, peut-être que tu vas te dire que c'est la dernière, mais tu vas aller au bout, quoi. La plupart des gens vont au bout, quoi, pour cette raison-là. Et ce dialogue entre le corps et l'esprit, il est intéressant parce que là, on n'est pas seulement sur le physique, c'est un truc qui va te servir aussi, je pense, le reste de la vie, dans les épreuves du quotidien, personnel ou professionnel, de moments où, il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où t'en chies. Parce que la vie c'est comme ça aussi, il y a des moments plus ou moins sympas. Et si tu t'es dépassé dans certains moments de sport comme ça, où vraiment t'en pouvais plus, mais ton esprit a pris le contrôle de ton corps pour te faire faire un truc un peu ouf par rapport à ton niveau, cette expérience du dépassement, elle va te servir après. Dans les moments durs de ta vie où tu te dis ok c'est super dur, mais je me suis déjà prouvé que je pouvais me dépasser et passer outre des épreuves. Même si elles sont différentes, hein. Et que l'esprit, le corps ont une capacité à se dépasser, quoi. Donc la course à pied et le sport de façon générale, c'est aussi une école de vie. Et je pense que ça peut, être utile à plein d'autres titres, quoi. Il y a Cisla qui me dit qu'il y avait David Goggins qui parlait de cette capacité à se dépasser. Je ne sais pas qui est David Goggins, mais c'est sûrement quelqu'un de très bien. Je ne sais pas si l'exemple de Caradoc est le bon, mais il y a Caradoc qui dit c'est comme un lendemain de cuite où tu te dis que plus jamais tu reboiras un verre d'alcool et le soir même tu remets ça. Alors je pensais pas à cet échange. Je pensais pas à cet exemple-là. Ah, c'est un ancien militaire ? Ok. C'est un ancien militaire. C'est un fou du sport qui ne fait que de battre des records. Ah, okay. Ok. J'ai eu peur que ce soit genre une espèce de blague avec un mec qui faisait que des dingueries. Et ok, c'est cool. Ça, c'est un échange. Oui. Alors pour la cuite, c'est un échange non pas entre le corps et l'esprit, mais entre le foie et l'esprit. C'est autre chose. Enfin, premier marathon de Paris pour le zombie dans le chat en 2024 et volonté de m'aligner sur la Saint-Élion 2024. Premier marathon 2024, Saint-Élion 2024. C'est bien, non, mais. Alors si tu parles de la Saint-Élion Formalon, parce que Saint-Élion, c'est une course entre Saint-Étienne et Lyon qui se court en décembre. Que j'ai fait deux fois. La nuit, départ à minuit je crois, arrivé au petit matin à Lyon. Alors c'est une course qui est magnifique, il y a plusieurs formats. Le format long il fait 70 km à peu près, ça dépend des années, soit un peu plus de 70. Alors je sais pas quel format tu fais sur la Saint-Élion, mais premier marathon 2024 et première Saint-Élion, c'est-à-dire que tu rajoutes 30 bornes la même année avec le froid, parfois la neige, c'est magnifique, la Saint-Élion quand il neige c'est super. Le verglas, la nuit, c'est tout à fait faisable, hein, mais 78 km cette année, me dit-on.
il faut vraiment que tu loues pas ta prépa, quoi. Le succès d'une course amateur, enfin le fait d'aller au bout d'un marathon, tout se fait avant. Hein. Merci Procalitis pour ton message. Tout se fait avant. Au départ d'une course, si l'entraînement a été à la hauteur de l'enjeu, y a zéro interrogation, quoi. La réussite d'une course, elle se fait avant à l'entraînement, quoi. Et au mental le jour J, quoi. Bien sûr. Après, le meilleur mental du monde ne pourra pas pallier un entraînement qui a été insuffisant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, l'esprit a des limites lui aussi, quoi. Si t'as pas les jambes, si t'as pas le souffle, si t'as pas le cœur, l'esprit il va pas tout compenser quand même non plus, quoi. Ça me semble évident, quoi. Je viens de faire un petit rototo, j'espère que personne n'a entendu. J'ai fait un mini rototo de Noël. Et un deuxième là. Non, je fais plus de fractionner bêta test. J'ai passé l'âge. Je fais plus de l'endurance pure. Il y a un petit décalage qui a peut-être été produit par le fait que je stream en 4G. Il y a peut-être eu un décalage son-image qui s'est produit au début là. Effectivement, les amis, je sais pas combien de temps on a fait ensemble. Là, je vois 1h20. Mais je sais pas si ça a compté notre cut. Donc au moins 1h20, mais je me demande si on n'a pas fait 2h en tout, c'est ça, ouais. Ah, 2h. Ah, c'est pas mal. Bon, j'ai pas couru 2h en vrai. Hein. J'ai pas couru 2h parce que j'ai beaucoup marché. Je me suis beaucoup arrêté pour discuter avec vous. Je pense que sur les 2h, on a une vraie heure de running. Ah, ça avait coupé ? Oh, ok. Bon, de toute façon, c'est la fin de ce stream. Et on a cut en bas. Ok. Donc je voulais quand même, j'ai relancé ce petit stream pour vous remercier en fait de ce moment passé ensemble. Voilà, je pense que sur les 2 heures de stream, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment eu une vraie, c'est là que ça a cut, une vraie heure de course à pied. Et ce que je vous disais juste après, mais je pense que vous l'avez pas eu parce que ça a été cut, c'est que j'ai un peu perdu la motivation de faire du sport parce que j'ai d'autres centres d'intérêt que je n'avais pas à l'époque. Je faisais beaucoup. Merci MMG pour le soutien. J'avais beaucoup de temps libre. Et avec la famille, avec les enfants, avec le travail, avec la passion que je peux avoir pour mon métier. Et puis la découverte du stream, du coup j'ai eu moins de temps, puis j'ai eu plus de nouvelles passions aussi qui ont fait que du coup je me suis un peu détourné du sport, quoi. Et du coup de vous avoir avec moi ce matin, ça m'a aussi un peu motivé. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie pour ce matin. Je vous souhaite de super belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez en famille, avec des amis ou seul, que ce soit voulu ou pas, je vous souhaite une très belle soirée ce soir. Un très beau réveillon de Noël, de nouvel an aussi. Pas impossible que je vous retrouve. Je vais essayer de faire des petits streams improvisés comme ça, ou autour du sport, ou de discussions avec le téléphone en Franche-Comté. Hein, sachant que j'ai pas de setup ici pour streamer correctement de la revue de presse ou du gaming, pour que vous puissiez vous reposer aussi de moi. Les amis, merci pour tout. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Mettez-moi un petit peu de bonheur dans ce monde. Joyeux Noël et joyeuse Pâques. À bientôt.